Gordon Deza pour Game Deza TV. Alors, je suis encore une fois avec Alexandre Deza et Antoine Deza. Voilà. Alors, nous avons des jolis PLV hein, que nous a offert Géant Casino Porto Vecchio, Géant Casino Porto Vecchio, Géant Casino Porto Vecchio, hein, avec ce joli PLV Nintendo Switch également qui est là derrière. Et encore, on a encore gagné une Nintendo Switch Light, tellement light. Elle est tellement légère qu'on dirait qu'elle n'y en, en a pas dedans. Ah bah c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas dedans. Alors aujourd'hui on va vous présenter les derniers achats, les dernières acquisitions, les dons, les vide-greniers. Qui c'est qui m'envoie un message? On va voir tout ça de suite après le générique. Générique. Commençons tout de suite ce retour sur nos acquisitions de cette fin de mois d'octobre par cette pile. Alors cette pile, ce sont des objets qui nous ont été offerts par Yaya2B à qui on passe le bonjour. Yaya2B, si tu nous regardes. Super Mario DS 64. Voilà, ne le rapproche pas trop sinon il est flou, stupide idiot. Recule, le point il est là. Le point il est fait ici, d'accord? Si tu rapproches tout, c'est flou. Ok. Et voilà. On fera la notice, mais c'est pas grave, on s'en fout des notices, on s'en fout. Allez, ensuite. 1200 jeux vidéo voilà. Spécial shot. Voilà, c'est des jeux PC, voilà. Bon, 1200, j'aimerais bien voir s'il y en a vraiment 1200. Ils disent qu'il y a de tout, jeux d'arcade et compagnie, j'y crois pas trop. On verra bien. Le mystère de la momie sur PC. Ouais, alors c'est une enquête de Sherlock Holmes, ça tu aurais pu préciser quand même. Voilà, sur PC. Eh, c'est marché là, qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est mon gros. Mobidic. Battlefield 2 sur PC. Battlefield 2, EA Sports. EA Sports? Non, EA Games. EA Games. J'ai pas de sport. Non là celui-là, le monde des bleus. Ah, le monde des bleus. Ah, elle est complète, elle est complète. Ah super, putain, je le voulais complet, ça tombe bien. Ah, un truc très complet, Mario Kart. Alors c'est une copie de Mario Kart sur Wii. Ouais. Oui, non, oui, oui. Copie. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Budokai Tenkaichi 3. Dragon Ball. Ouais, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Je veux du Lara Croft Tomb Raider ouais. Sur DVD. Oui, c'est un film, stupide idiot. Le lecteur DVD disque. Sur DVD disque. Batman Forever. Batman Forever. Sur le lecteur DVD. DVD également. Fight Club également. Voilà, alors ça tombe bien parce que je l'avais pas cette édition. En très beau packaging, voilà. Hein. Merci, très bon choix, très belle acquisition. Même si ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Allez, c'est bon. Donc merci, ça s'ajoutera à nos différentes éditions de World of Warcraft. Allez, remets les dedans, on passe à la suite. Ah non, il y avait ça aussi, la manette de Yaya2B, manette à l'ancienne. Donc c'est une Gamepad Pro de Gravis. Gamepad c'est, Pro. C'est quoi cette prise? Gravis. Ah oui, c'est les prises à l'ancienne justement pour PC. Et bon, c'est une manette manifestement inspirée des manettes PlayStation. Mais un avec un stick sur le joystick. Pour pouvoir jouer en tant que joystick comme ça, ouais aussi. Bon, pour le pouce, quoique pour le pouce c'est pas mal aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait debout? Pourquoi tu restes debout? Voilà, mets-le là-bas. Donc merci Yaya pour tous ces dons. Ouais, voilà, c'était génial. Ra. Alors,
Vide-grenier, putain de merde. Vide-grenier de guisonnage. Mais passe vite, parce que ça, on en a rien à foutre, y'a rien de jeu vidéo. American Sniper. Scoot toujours. Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, ça va faire un roman. Striker, la machine de guerre. Ok, ça sent le nanar. Je sais pas si vous voyez, mais ça, je dirais même ça pue le nanar. Franck Zagarino, c'est quoi ça? Sinbad et le Minotaure. En Blu-ray, mine de chez Mint avec Blister. Insaisissable. Inclassable. Et insaisissable et. The Equalizer. The Equalizer. Il va équaliser votre son. Il va rajouter l'horrible invasion. Des araignées qu'on voit pas avec ton reflet pourri. Voilà. Blister. Et. Le ruban de Moebius. On sait pas ce que c'est. Voilà, bon. Tout ça, on les de a la vu, merde. Voilà, elle nous a fait un petit prix, on a un petit peu rigolé, Robert avait pris des Blu-ray en plus, elle faisait tout à 2 euros, et quand elle a fait son calcul, alors, il y en a combien? Il y en a, elle me dit, il y en a 16, je crois qu'il y en avait 16 en tout, alors, 16 x 2, 28... Enfin un truc, mais un truc improbable. non, attends, c'était... Enfin, je sais plus combien, mais elle s'était complètement gourée sur le chiffre. Et je voyais qu'elle s'enlisait comme ça dans son calcul. Je dis oui, continue à t'enliser, continue. Et ça nous est revenu à 1,50€ pièce au final. Donc très bien, merci madame d'être mauvaise en calcul comme moi. Ça fait plaisir. Morgagni, sur le vide-grenier de Morgagni. On a trouvé cette manette très originale. Une manette... en forme de Mega Drive, on va dire. Voilà, c'est une manette Honeybee, made in China. Voilà, de Competition Pro, hein, voilà, avec tous les différents turbos. Voilà, avec vraiment la forme d'une Sega Mega Drive, sauf que c'est pour Sega. Super Nintendo, voilà. Vide-grenier de Porto Vecchio. Vide-grenier de Porto Vecchio pour 1 euro. Un Mario qui manque une oreille. Il manque une oreille, mais c'est pas grave, ça fait toujours son petit effet de déco. Yoshi, Woolly World et Pochi à 7 euros. Complétos. 7 euros, voilà, sur le vide-grenier de Porto Vecchio. Complétos. Cream Killer. Don. Ça, c'est les dons. C'est les dons de Frédéric, notre ami de l'association. Faut qu'on donne les noms. Allez, on va donner les noms. Frédéric Paldach, voilà, vous voulez l'adresse? Vous voulez l'adresse, le numéro de téléphone? 06 27 47 18 25. Voilà. Cream Killer sur PS1, complet, en bon état. Cream Killer. Madame 2000. C'est pas bien. Il manque la jaquette avant, mais on s'en fout, parce que la notice elle fait office de jaquette. Il est un peu rayé. La boîte est défoncée. Et la boîte est défoncée, on la changera. Victory Boxing 2. Jeu de boxe, sur PS1. Voilà, la notice, il est complet. Et vous voulez savoir s'il est rayé? Ben vous le saurez pas. Chérie, fais-moi peur. Alors celui-là c'est le seul qu'on avait déjà. Hein, ouais, il y a encore le prix en francs, voilà, c'est marrant, 99 francs hein, sur celui-là. Et celui-là, 15 euros, donc c'est à peu près le même prix. 15 euros, c'est 100 francs. Ça, c'est 16 euros. Il y a à peu près. Parler pour rien dire, tu vois, pourquoi? Comment on perd du temps? Alors, chérie, fais-moi peur, vous voulez savoir s'il est rayé? Il l'est pas. Allez, hop. Colis. Encore lui, là. Colis numéro 1. Encore Abel. Ah, ok. Toujours parler pour rien dire. Super Mario All Star. Voilà. Sur Wii. Et ça, c'est quoi? Rétrospective sur... Rétrospective Super Mario 1985 et 2010. Super Nintendo. Pourquoi quand tu fais? C'est chaud. Il y a tous les Super Mario de 1985. On s'en fout,
Alors, c'est surtout un documentaire en fait, hein. C'est un documentaire spécial pour les 25 ans de Mario, hein, donc qui était en bonus dans le coffret des 25 ans de Mario. Alors là, il n'y a pas le coffret, il y a les deux DVD, on va dire, hein. Il y a le jeu Wii et le DVD vidéo. Normalement, il y avait un coffret tout autour, mais bon, je l'ai eu vraiment pour pas cher, 24€ pour inclus. Ce qui est vraiment honnête pour ce genre de pièces. Parce que j'ai déjà vu, ne serait-ce que ce DVD, dans certaines boutiques à 50 balles, sans bonus quoi. Ouais. Hop, alors avant-dernier colis. On va voir combien de temps il va mettre pour ouvrir. Chrono. Je mets le chrono. Vas-y, si. Carrément, il y a le chrono. Mais non, je vais pas le mettre, putain, allez, bouge. Allez vous faire un sandwich pendant ce temps-là, je pense que vous avez le temps. Avec la toute délicatesse d'Alexandre. Et vous faites un café aussi. Vous avez le temps de moudre le grain. Vous avez le temps de torréfier vos grains avant de les moudre. C'est bon, ah, ça y est. Nintendo Magazine. Voilà. Au revoir. Alors, c'est deux numéros du Nintendo Magazine. Le magazine officiel Nintendo. Un sur Nintendo. Il n'y en a qu'un. Comment ça, il n'y en a qu'un? Il y en a deux, imbécile. Stupide idiot. Il n'y en a qu'un. Il y en a deux. Donc voilà, avec un avec GoldenEye sur la jaquette. Sur la couverture, pas de jaquette. Bon, il est un petit peu abîmé, un petit peu déchiré. Ok, Super Mario 64. Avec Mario 64. Donc voilà, c'était le magazine Nintendo officiel à l'époque où Nintendo avait sorti la Nintendo 64. Donc voilà, donc je vais lire hein, dès que j'ai un petit peu de temps, et ça s'ajoutera à notre petite librairie de livres et magazines, hein, comme on collectionne également ce qui est livres et magazines. Tu aurais pu prendre tout simplement le scotch et l'enlever comme ça. Voilà, alors dernier colis. C'est Discount, un colis assez gros comme vous voyez. Voilà. Alors si Draven Astaroth regarde la vidéo, tu regardes la suivante. Voilà, c'est fini. Au revoir. Attends que Draven s'en aille. Il est parti. Ben, c'est bon. Alors, vas-y, sors un à un. Oh, les objets. Attends. Bon, déjà, une manette Mega Drive. À 6 boutons sur ça arcade pad. Ah merde, ouais, en fait c'est une c'est une authentique. Merde, j'avais commandé une. Attends, ah, c'est ça, vraiment original. Vous avez regardé avant qu'il fallait regarder? Non, j'ai pas regardé. Ouais. Là, bah, en fait, je pensais que j'allais avoir une. Arrête de faire cette tête. Je pensais que j'allais avoir une Saturne, en fait j'ai eu une Mega Drive, bon c'est pas grave. En fait dans le descriptif il s'était planté sur le site. Mais c'est pas grave, là c'est pas grave, voilà, ça me fait une Mega Drive. NBA 2K20. Édition légende. Édition légende s'il vous plaît, avec Dwayne Wade sur la jaquette. Ah, voilà. PS4. Sur PS4, la PS4 sur laquelle vous ne pouvez plus installer de jeu parce que vous n'avez plus de place. Alors, comme ils n'ont plus de place sur leur PS4, on cherche des bons plans, des bons conseils, des disques durs, les extensions possibles. Dites-nous dans les commentaires quelle extension possible parce qu'on voudrait jouer à ce jeu. Hein, et on n'a plus la place. C'est quoi la solution la plus économique? 60 gigas, c'est mort. Minimum. Minimum. Ok, donc c'est mort. J'ai bien compris. T'as jamais un 70 Go. Ouais, bah écoute, on verra bien. Et le dernier, le tout dernier, plus beau. Montrez-tout. Une figurine de Zelda. La princesse Zelda, regardez. Zelda. Elle fait 50 cm et je l'ai eu pour 10€.
Alors elle était à 23 euros avec une petite réduction. Et ici il y a l'épée, ça c'est quoi? Une épée. Ça, le jeu, alors il était en promo spécial, c'est pour ça que je l'ai pris, Draven, j'espère que tu regardes pas. Il était à 40 euros, mais ça a duré que 2 ou 3 jours la promo sur Cdiscount. Là, il est repassé à 100 balles. Soit ils ont épuisé les stocks et voilà, ils sont en vente depuis une autre boutique ou je sais pas trop quoi. Soit il y avait une erreur, soit je sais pas. Non, mais il était à un moment donné, il était à 45 euros, c'est vrai, avant la sortie, en précommande. Et là, il est retombé à 40. Et je me suis dit, si je le prends pas maintenant, je l'aurai jamais à 40. Mais de toute façon, c'était ce que je voulais vous offrir pour votre anniversaire. Et en fait, je l'avais trouvé nulle part. Et du coup, je vous avais pris le collector Zelda. Ma carrière, elle est produite par LeBron James. Cool. Les quoi? Ma carrière. Cool. Cool. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, la manette Mega Drive. Hein, donc ça c'est une vraie manette Mega Drive, c'est-à-dire qui se branche hein, sur Mega Drive 1 et 2. Celle-là, elle est à 14 euros. 14 euros sur ces discounts. Je crois qu'elle est encore à 14 euros en ce mois d'octobre. Vérifiez si vous voyez la vidéo assez vite. Hein, évidemment, si vous voyez la vidéo, là, vous êtes déjà en janvier 2020, c'est un peu tard. D'accord? Peut-être qu'elle aura baissé d'ici janvier 2020. D'accord? Et donc voilà. Ah, oh, il met des boucles d'oreilles! Fluffy! Ah, c'est Zelda, c'est Zelda! Donc voilà, une très très belle figurine de Link avec un beau bouclier. Un blaster. Voilà, donc on l'a. Bon, c'est une figurine assez classique hein, qu'on trouve un peu dans toutes les boutiques geek, video games, tout ça. Donc un petit peu abîmé hein, le carton. Mais je pense qu'on va pas garder le carton, je pense qu'on va vraiment le sortir et lui donner des poses un peu classe. C'est gueule, voilà. Regarde. Oh, c'est pas mal. Après, vous pouvez même le mettre en mode ebo avec la tête derrière. Voilà. Et c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. Donc je vous donne rendez-vous Paris Games Week du 31 au 3 novembre. Je serai à la Paris Games Week. Donc le 30, je serai pas. Le 31, on sera avec Marco, Robert et Pierre Vincent et Draven Astaroth sera là aussi et d'autres passer sur le stand Nemco Show. On sera sur le stand Nemco Show. Moi personnellement j'y serai le jeudi entre 11h et midi à peu près et on passera de temps en temps avec Robert et Marco et les autres de l'association. Il y aura nos amis de Noob hein, avec qui je serai pour présenter ceux qui présenteront, moi je serai là juste pour faire la potiche. La démo jouable du jeu Noob, enfin, voilà, qui sera sur PC et peut-être sur d'autres supports, on ne sait pas encore, mais on va peut-être en savoir un petit peu plus lors de ce salon où vous pourrez venir leur poser toutes les questions par rapport à ce jeu qui s'annonce vraiment sympa. Et il y aura plein de monde sur le stand Nemco Show, plein de beaux monde, il faut aller voir. Il n'y aura pas que nous, il y aura des vraies personnalités du jeu vidéo. Il y aura Marcus, il y aura Page, hein, notre ami Page, mon ami Page. J'espère le revoir sur le stand, il sera apparemment en séance dédicace également. Et plein d'autres mondes. On essaiera d'aller voir nos amis Demo 5. Hein, et il y a tellement de monde à voir. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous venez à la Paris Games Week. J'espère faire une vidéo, j'espère faire aussi un petit live. Ah, si la connexion et la batterie du téléphone le permettent. Et on fera aussi une vidéo retour donc sur ce gros événement jeu vidéo, le plus gros événement jeu vidéo de France. J'ai hâte d'y être, hein, dire que dans une semaine j'y suis, j'ai encore du mal à y croire. Avec mes copains Marco et Robert, et PV et Draven, donc ça va être gros stuff. Il y aura même Rudy, mon petit frère Rudy, hein, voilà. A bientôt, on a tout dit. Vous avez de la chance, pas de danse de l'amiibo aujourd'hui, et pas d'amiibo. Mais qui sait, peut-être que j'en ramènerai de Paris Games Week. Et un petit clin d'œil tout particulier à Angelo qui nous a offert ce catalogue Switch. Alors j'espère qu'on le voit bien, ouais, il y a la mise au point qui est bonne. Voilà, un petit catalogue 2018, hein, donc présentant les sorties de fin 2018. Donc qui est déjà collector, hein, puisque c'était il y a déjà un an, hein, Super Smash Bros. Donc toutes les sorties hein, qui étaient prévues fin 2018, début 2019. Merci Angelo, merci pour ce cadeau. Rendez-vous Paris Games Week. David Lafarge. Sans David Lafarge Pokémon. Y'a pas David Lafarge, s'arrête pas. Opening de cartes.